J'ai quitté Akita après le lycée et suis parti à Tokyo afin de devenir danseur. J'ai ensuite vécu plusieurs années à New York et à Londres. Par manque d'argent et de visa, je décide il y a 2 ans de revenir pour un moment à Akita. Dans cet endroit que je pensais vide et ennuyeux étant enfant, j'ai fait une rencontre incroyable. Le tableau intitulé « Les fêtes d'Akita » de Leonard Fujita. Il donne vie à des scènes de la vie quotidienne et à des fêtes traditionnelles. Les postures des personnages et le dynamisme qui s'en dégageait me donnaient l'impression de les voir danser. Et je voulais plus que tout les accompagner dans cette danse. J'ai eu alors très envie de mieux connaître Akita. Nous étions à ce moment-là en hiver, et je décidai de faire le tour de toutes les fêtes hivernales.
Les fêtes d'hiver regorgent de grandes prières qui rassemblent les hommes pour affronter le grand froid hivernal. Tout est alors profondément lié. Les hommes, la terre, les éléments. Durant ces 2 années écoulées depuis mon retour, j'ai pu découvrir de nombreuses facettes de cette terre qui m'habite. En tant qu'enfant d'Akita, je veux désormais danser cette œuvre de Fujita et ainsi la faire connaître dans le monde entier. Et ce nouveau voyage ne fait que commencer.